Bonsoir. Nous sommes obligés de faire ce direct pour... On est en jeûne, donc. Plusieurs. Et déjà, j'avais beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles ont jeûné. Elles ont commencé à jeûner toutes seules. Oh! Avant qu'on annonce le jeûne. Est-ce qu'elles ont senti la direction de Dieu? Elles ont senti... Oui, un peu. Ok. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur l'importance d'être connecté à ses anges. Manuela, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu veux que je souris? Pourquoi? Je suis le rat. Tu veux que je souris? Donc. Beaucoup d'entre vous, je me suis rendu compte que ça, c'est les consultations et puis les révélations que le Seigneur me donne aussi. Vous ne croyez pas au pouvoir que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir une situation, l'esprit vous parle, vous vous levez, vous partez agir. Non, j'attendais que tu me confirmes, non. J'attendais que... Oui, j'ai rêvé en novembre. J'ai vu qu'il fallait que je parte au village faire le saraka. On est en février, tu as fait. Non, j'attendais que tu me... En fait, c'est ça. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous doutez trop. Vous doutez trop. Là où tu es là, tes anges te parlent la nuit. Tes anges te parlent la nuit. Tu te lèves le matin, tu continues tes choses, tu fais comme si de rien n'était. Et vous êtes tellement habitué à la dépendance spirituelle. C'est quoi ton problème? Parce qu'on voulait qu'on vous voie. Tu veux venir donner ton offrande à l'église. Quand tu apportes ton offrande, tu fais comme ça là. Pasteur, je suis venu donner mes 5000 dollars. Te voilà. Te voilà. Tu sais comment c'est dur pour un homme de Dieu de résister quand quelqu'un... Et vous-même, vous connaissez ça. Combien de fois je vous ai consulté, vous avez commencé à me faire, ah, mon mari a un contrat de 500 millions, hein, de francs CFA. Tu sais, j'ai donné 45 millions à la personne qui me suivait spirituellement. Chaque année, je lui donnais 50 millions. Oui, chaque année. Vous ne me prendrez pas avec vos paroles là. Vous avez compris? Vous avez bien compris? Voilà là où vous tombez. Voilà là où vous tombez. Dès que le pasteur, tu arrives dans l'église du pasteur. You are welcome to our church, my sister. Que ceux qui sont les nouveaux venus viennent. Qui les nouveaux venus viennent. Les nouveaux venus, levez-vous. Tu te lèves. Welcome to the house of the Lord, my sister. Tu dis, hey. On te voit tes habits sur toi. Ah, elle a la chaussure Gucci. Elle a le sac Louis Vuitton. Ah, elle conduit la dernière Mercedes. C'est bon. Toi-même, tu aimes ça. Hein? Écoute-moi bien. Toi-même, tu aimes ça. Voilà comment tu fais pour venir impressionner les gens. Pasteur, j'ai une offrande de 5 millions que je voulais faire.
Je dépose comment? Je fais. Ma chérie. Porte, tu mets dans la vélo, tu veux lancer dans la quête comme tout le monde. Lance dans le panier dimanche comme tout le monde. Jésus a dit que ce que ta main droite fait, que la main gauche ne sache pas. C'est comme ça qu'on t'attache. Vous avez construit les maisons de combien de pères là-bas au pays? Il me suit spirituellement. Ma fille, oui, bientôt je vais toller la maison. Hein? Oui, vers le 14 février, là, je vais mettre la tôle sur la maison. Oui, on va aller d'abord le premier niveau. Il te prépare déjà mentalement. Beaucoup d'entre vous, vous étiez victimes de manipulation. Ce n'était pas l'esprit qui t'avait parlé. Moi, je vous dis hora. Vous dites ma chose. Je vous dis cache. Ça ne te plaît pas, tu quittes ma page. Ça ne te plaît pas, tu quittes. Je parle avec mon téléphone. C'est dans mon téléphone là-bas. Ça ne te plaît pas. Quitte. Vous cherchez les endroits que dès que vous allez dire que oui, j'ai 5 terrains. Hein. J'ai 18 hectares dans mon pays. Oui, ici là, moi, je touche dans les 10 000 dollars le mois. Écoute, I don't care. I don't give a piece of F about what you do. Je m'en fous de ton âme. Faites attention. Chaque mois, quelqu'un sera au pays en train de pratiquer sur ton nom. Parce qu'on sait que tu es là-bas aux États-Unis, il faut que tu envoies l'argent. On sait que tu es là-bas au Luxembourg, il faut que tu envoies l'argent. En Suisse. On t'attache, on te manipule. Et je vous ai toujours dit, il y a les signes. J'ai fait une vidéo une fois de cette fille-là qui s'est fait arnaquer. Et quand je faisais la vidéo, j'expliquais qu'il y a les signes qui vont te faire connaître celui qui est vrai. Ça fait qu'on te contacte dans la nuit, on te dit que j'ai vu telle chose sur toi là. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Ouais. Ma fille, tu dois me contacter. Hein? Les gens prennent ma photo, ils mettent sur les profils, ils partent vous dire qu'ils ont vu les choses sur vous. Vous portez l'argent, vous les envoyez. Je vous ai déjà dit que je ne verrai rien. Je ne vais jamais te contacter. Yeah, quelle est. Même ceux qui sont mes enfants là que j'ai dit qu'elle les suit. Même si tu veux quelqu'un ne te suit pas, tu me contactes le jour où tu sens. L'esprit te dit aujourd'hui que contacte-moi, tu me contactes. Mais c'est dans 5 mois que c'est l'esprit. Ok. Si tu veux, tu viens au centre de prière, tu veux, tu ne viens pas. Tu veux, tu payes ta dîme, tu veux, tu ne payes pas. Tu vas sentir dans ton corps. C'est moi qui te bénis. Je ne te bénis pas, c'est Dieu qui te bénit. C'est ta foi, c'est tes actes. Et la compréhension que tu as derrière les actes que tu fais. Beaucoup d'entre vous, vous payez les dîmes, vous construisez les maisons des gens au pays là-bas. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la dîme. Tu ne connais pas comment on paye la dîme, pourquoi tu payes la dîme, à qui tu dois payer, tu ne connaissais pas. La personne met la peur dans toi. Que si tu arrêtes de payer ta dîme, tu vas voir ce qui va t'arriver, ma fille. Donc voilà, tu as peur. Tu perds ton boulot, il commence à se fâcher avec toi. Tu es en train de stresser, pas parce qu'il faut que tu nourris tes enfants à la maison. Parce qu'il faut que tu envoies l'argent pour cimenter la cour du père. Fais très attention. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sous le joug de la manipulation émotionnelle. Vous n'êtes pas connecté à l'esprit. Vous n'êtes pas connecté à l'esprit de Dieu. L'esprit est calme. L'esprit ne te menace pas. L'esprit ne te fait pas le chantage.
c'est que l'esprit t'a effectivement parlé, que donne telle chose à telle personne. Si tu as dit la nuit que donne-moi quelque chose et que j'ai besoin de quelque chose, si tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre va donner. Tu comprends? Annick, je suis à Libreville, oui. Je suis sortie à midi. Non, j'étais à midi. Non. Je suis sortie à 10h. C'était pas à midi. Je suis allée à truc là, à ces cadeaux. Il y a ces cadeaux géants ici là. Justement, là-bas, je suis rentrée, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a les mauvaises pensées, les mauvaises croyances dans votre tête. Vous vivez sous la peur, la manipulation. Et dans tout ça, l'Esprit de Dieu est en train de vouloir te parler réellement. Mais il n'y arrive pas. Je vous ai toujours dit que, écoute, avant que je ne vienne te dire que j'ai vu telle chose sur toi, que Dieu lui-même t'a déjà montré, quand je viens, je parle, ça confirme ce qu'il y a dans ton cœur. Arrêtez vos choses là. Et vous êtes tout dit, vous ne m'amènerez pas, vous n'allez pas me tirer pour m'amener de là où vous voulez que je parte. C'est l'Esprit qui me guide. Ah, il y a souvent les enfants de Dieu qui vont venir. Ah, Marine, tu sais, dans mon ancienne église, on faisait plutôt comme ça. Si tu es ici, va dans ton ancienne église. Je vous dis ça chaque jour dans les réunions Zoom qu'on fait. Je ne partirai pas là où vous voulez que je parte. Parfois, vous voulez seulement qu'on fasse des longues prières. Oh, chata là-bas, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de quoi, de qui, de ce qui? Apprenez à prier. Apprenez à lire et à comprendre la Bible. Je vous ai donné le passage à 18h aujourd'hui, quand on faisait la lecture de la parole. J'ai dit, laissez vos pensées être renouvelées. Les numéros sont sur la page martiale. Si tu viens, même viens seulement prendre les produits, ne viens pas pour la consultation. Il y a tellement de mauvaises pensées que vous avez dans votre tête, de façon erronée que vous avez de voir la vie. Et vous êtes seulement dedans. Dieu essaie de te parler, n'arrive pas. Même le rêve, on ne raconte pas son rêve à n'importe qui. Quand il te voit, tu viens sur Facebook, c'est là. J'ai rêvé que. Le rêve, c'est une portion de ce que l'Esprit a te dit. Tu portes ça, tu peux pas donner aux gens. Tu peux pas mettre ça sur Facebook, tu ne sais pas qui va dire. Il y a des gens qui m'ont dit, fais les séances. Non, ça va passer. Fais les séances où tu regardes les gens, tu lis leur énergie seulement. Oui, tu interprètes leurs rêves. Vous aimez les fables, vous aimez les contes qui vont vous faire plaisir. Je ne tomberai pas dans vos temps. Je ne peux pas dire que, ouais, Seigneur. Seigneur. Dali Christelle, écris au numéro, tu demandes les prix de ce que tu veux. Je suis ici pour vendre les produits, tu as compris. Il y a les kits. Il y a l'huile qu'on appelle l'huile mille faveurs. Le matin, quand tu pars faire ton business, tu prends l'huile là, tu mets sur ton visage, tu parles. Tu mets sur ton corps. Ça va enlever les mauvais esprits qu'il y a dans ton corps là. Mais je ne suis pas là pour vendre les produits aujourd'hui. Vous connaissez là les kits. Si vous tombez sur ma page, vous avez écouté une ou deux de mes vidéos, vous savez. Si vous lisez les témoignages qu'il y a seulement ici là. Maintenant, vous devez avoir le discernement. Vous aimez les fables. Dis-moi sur moi, parle-moi sur moi. Avant que je te parle, l'esprit doit déjà te parler.
Souvent, quelqu'un te dit, j'ai rêvé que j'ai reçu beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Il dit que wonderful. Tu as rêvé que tu as reçu l'argent. Si tu dis que tu seras pauvre dans ta vie, tu vas me croire. Hein? Quand ils voient comment notre génération est exposée, vous vous donnez comme ça pour qu'on vous, on vous monte dessus. On vous... Yeah, Seigneur, pourquoi? On vous donne le discernement, vous refusez. On vous donne le discernement, vous refusez. Vous voulez rester tous les bébés spirituels. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi non, vous savez? Dis-moi. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité. J'ai une dame qui m'a écrit hier dans la nuit. Elle me dit que elle a suivi un enseignement que j'ai fait, ça fait 1 an et demi. J'ai parlé d'huile d'olive que tu mets sur ton cou. Ça, elle dit qu'elle a fait ça, elle a vomi. La glaire est sortie de son corps jusqu'à. Vous ne cherchez pas. On met le savoir, vous ne cherchez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Je vous ai dit que certains d'entre vous, même dans les rêves, on va venir vous donner des pouvoirs. Tu rêves comment on te prend, on te met sur la chaise. Tu rêves comment on te délivre dans le rêve. Tu rêves comment on prend la bague, on te donne. On prend le bâton, on te donne. Et dans la prière tout à l'heure, 18h. Ma reine, j'ai rêvé que mon père est venu te donner un bâton noir, tu m'as donné. J'ai dit, ok, est-ce que tu as acheté ton bâton de commandement depuis? J'ai prêché les bâtons de commandement ici, là, fatigué. Une dame est restée toujours en Allemagne, son fils, qui a 18 ans. Il dit, il me faut une lance. Il me faut un long bâton de commandement qui a ma taille. Il a commandé ça au Cameroun. On a fabriqué. On a envoyé. Tu vois ta part dans le rêve. Tu te réveilles le matin, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Ils vont vous aider comment? Non, non, dites-moi. Attends, ils vont vous aider comment? Donc, je veux marcher dans la rue. Une femme m'arrête. Elle fait comme ça là. Elle me dit tout sur ma vie. Oui, quand elle parle comme ça là. Après, quand elle parle, mon corps vibre. Après, 5 voitures où je passe. Après ça, la voix de Dieu dit, Jocelyne, écoute cette femme. Arrêtez vos bêtises. L'esprit ne fonctionne pas comme ça. Vous aimez là, vous allez partir, on vous donne les accolades. Hé, hey, ma chérie, hey. Service spécial pour la venue de la reine Jocelyne. Parce qu'on sait que tu viens donner l'argent. Tu reçois déjà tes honneurs. Tu reçois déjà tes honneurs. Tu veux l'adoration. Tu veux l'élévation. L'esprit parle, tu n'écoutes pas. L'esprit m'a dit de payer pour parler avec toi. Ah, d'accord. Ils t'ont parlé en octobre. Comment ça se fait que je te parle en janvier? Tu sais, vous êtes lent à obéir. Lent à obéir. Et c'est que certains, vous avez même peur de moi. Moi, je vous dis, je vous tape les choses sec, je m'en fous. Ça ne va pas être rembourser ton argent. Oui. Une a fait ça aujourd'hui. Elle appelle derrière le même 10 jours. Je lui dis que je ne parle pas avec n'importe qui. Quand vos esprits, quand là viennent sur vous, commencent à vous déranger, là, ne venez pas me déranger. C'est que chaque fois que tu vas appeler, je ne vais, pas avoir le téléphone. Elle part, elle, je ne sais même pas lequel soir, je lui ai donné un nom. Elle est partie, elle envoie l'argent à ce nom. Elle envoie le message d'envoi de l'argent. Je n'ai jamais vu le message.
Elle appelle aujourd'hui, elle appelle. Mais c'est qui ça qui appelle directement sans écrire le message? Je dis, mamie, tu appelles pourquoi? Vous avez pu retirer l'argent? Je dis, wow, oh, depuis lundi, voilà jeudi. Mon staff est tellement occupé que personne n'a le temps d'aller retirer. Attends, je demande. Je demande, ils disent qu'on n'a pas retiré. Je dis que madame, on n'a pas encore retiré votre argent. Recontactez-nous demain. Ah, votre façon de fonctionner là, moi, je n'aime pas ça. Je dis, mamie, pardon. Please, on n'a pas encore retiré. Va retirer ton argent toi-même. Go take your money. Pardon, Abel. Va retirer ton argent, tu mets dans ta poche. Tu vas acheter quelque chose, ça te plaît, tu vas manger. Vous cherchez des endroits qu'on va vous aller. Parce que tu as envoyé 100 dollars, 200 dollars, on va venir s'agenouiller devant toi. Et quand tu penses à la personne là dans la consultation, voilà ce qu'elle va te dire. Oui, je voulais que tu me parles de ma vie. Oui, dis-moi. Mamie, je te dis quoi? Tu fais le lavage au sel? Ou deux fois, depuis 4 mois que je te suis, je me suis lavé 2 fois. Okay. Tu vas alors quoi? Non, dis-moi. La personne qui m'a donné ton contact a dit que tu vas me dire. Il dit, ma chérie, on t'a mal renseigné. Tu sais, on fait comment pour envoyer ton argent? Comment? Quel moyen? Va retirer ton argent. Va retirer ton argent. Va envoyer ça à quelqu'un à Bo Bénin. Va, va, va. Vous n'aimez pas la vérité. Vous voulez toujours être dépendant de quelqu'un. Vous ne voulez pas le discernement. Vous ne voulez pas la sagesse. Désolé, je te parle la nuit. Une autre m'a dit que elle avait un monsieur qui la suivait spirituellement. Elle a donc décidé de ne pas... Il lui dit, ne fais pas telle chose. Dans la nuit, l'esprit lui parle. Il lui dit, fais. Elle appelle le papa spirituel là. Elle lui dit, bon, moi, l'esprit me veut que je fasse. Il se fâche. Il la bloque. Elle se retrouve au carrefour. Elle dit, mais attends. Comment il me lâche comme ça là? Il donne les nouvelles à une autre personne que, comme elle demande pourquoi elle est bloquée, dis-lui que c'est parce que je lui ai dit de ne pas faire telle chose, elle a fait elle-même. Elle est bloquée. Je lui redemande que qu'est-ce que l'esprit t'a dit dans ton cœur sur ton argent, l'argent que Dieu t'a donné. Il m'a dit de faire. Ayez le discernement spirituel. Que quelqu'un ne devienne pas ton Dieu. Même moi, écoutez. I am not your God. Le jour où ta relation avec moi va voler un peu, Jacques, tu vas vouloir faire que... Je vais t'arrêter en route. Stop. La Bible dit ceci. Ils sont venus, ils voulaient prendre Jésus pour le rendre roi. La Bible dit encore que Jésus, connaissant leur cœur, il s'est faufilé entre eux et est parti. Jésus savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à l'homme. La même personne qui t'acclame aujourd'hui là, quand demain va t'insulter copieusement là-bas dehors, et après tout ce que j'ai fait pour elle, je me suis dédié, je me suis donné, je me suis consacré. Fais très attention. Tu n'auras que ton cœur pour pleurer. Comment elle peut dire ça de moi? Comment elle peut penser ça de moi? La Bible dit dans le psaume 119. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. On n'a pas dit la parole de l'oncle. La parole de Magne qui là-haut. La parole de pasteur tel. Ce n'est pas la parole de pasteur tel qui est la lampe à tes pieds. C'est ça. Ça. Apprenez à avoir le discernement.
te lèves le matin, tu viens de faire tes rêves la nuit. Ne saute pas du lit seulement, tu passes sur TikTok. Tu es à 5h30 sur TikTok, tu flippes. Reste couché sur le lit, tu dis, ok, qu'est-ce que ça voulait dire? Le rêve, c'est que j'ai fait, ça veut dire quoi, Seigneur? Seigneur, parle-moi. Pose les questions à Dieu. Écris tes rêves dans ton téléphone. Il y a l'application Google. Google Keep. K-E-E-P. Google Keep. Tu peux garder des notes. Même vos téléphones. Il y a le Samsung Note où tu prends les notes. Seigneur, quelle est la sensation que j'avais dans le rêve? Est-ce que c'était la peur? Ça veut dire quoi? Demande à Dieu. Tu vas demander une fois, deux fois, trois fois. Même la 50e fois, il va te parler. Mais vous ne voulez pas. Je veux que c'est toi qui me parle. Reine Jocelyne, je veux que c'est toi. Si tu peux te mettre là, tu demandes. Et quand tu demandes, on te répond, tu crois. Croyez en ce que l'Esprit vous montre. Croyez en la direction divine que vous recevez. Quand tu demandes quelque chose et qu'on te montre la réponse, crois que voilà ta réponse. Seigneur, donne-moi le discernement. Montre-moi selon si c'est vraiment pour moi ou pas. Comme la réponse ne correspond pas à ce que tu veux. Bon, Seigneur, je reprends la question, Seigneur. J'efface, Seigneur, je reprends la question. Montre-moi si cet homme est vraiment pour moi ou pas. Tu rêves qu'il est dans une voiture avec une autre femme, ils sont en train de partir, il te laisse. Ah. Tu te montres qu'il y a une autre femme. Non, Seigneur, tu n'as pas bien écouté la question. Non, Seigneur, j'efface encore. Seigneur, montre-moi. Tu vas demander 50 fois. Comme ça ne part pas dans ce que tu veux, tes désirs. Ce qui vous détruit, ce sont les désirs que vous avez dans votre cœur. Jacques a dit que vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand bien même vous demandez pour assouvir les désirs de votre cœur. Les intentions ne sont pas pures. Les intentions ne sont pas pures. Vous demandez avec des arrière-pensées. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui va entendre, qu'il entende. On est fini, il parle pas beaucoup. Je demande que le Seigneur vous donne le discernement. Je demande que sa lumière se repose sur vous. Je mets aussi la paix dans votre cœur. Si vous êtes en transition, beaucoup d'entre vous êtes en transition spirituelle. Tu es en train de quitter d'une fausse croyance que tu avais avant. Tu quittes d'une église bizarre dans laquelle tu étais avant. Tu quittes d'un système de pensée bizarre. Et comme les écailles sont tombées des yeux de Paul, c'est ce soir quand j'enseignais, je me suis rendu compte que Paul partait dans une direction. Il tuait les chrétiens.
Il rencontre Jésus. Bam, il tombe de son cheval. Il jeûne 3 jours. Acte chapitre 9, allez lire. Au bout du 3e jour, quelqu'un vient mettre les mains sur ses yeux. Les écarts tombent. Dès qu'il se lève là, il part dans le sens opposé. Les gens qui tuaient, ils commencent à combattre à leur côté. Il devient lui-même chrétien, alors qu'il tuait les chrétiens, ça fait 3 jours. Donc vendredi, Paul tombe de son cheval. Lundi, Paul est en train de prêcher. Je demande que le Seigneur opère en vous un changement. Que l'esprit de discernement soit déposé sur vous. Je vous libère aussi de la peur d'être seul, la peur d'abandonner tout ce que vous connaissez depuis. Je déclare que vous entrez dans votre mission. Je déclare que vous entrez réellement dans qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire. Je mets en vous la confiance. Que vous écoutez la voix de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous conduise dans tous vos actes, dans tout ce que vous allez faire. Que l'Esprit de Dieu marche avec vous. Que l'Esprit de vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'il marche avec vous, qu'il vous éclaire. Je vous enlève de toute manipulation émotionnelle. Toute personne qui dominait sur vous, qui vous empêchait de voir. Toute personne qui t'a dit que tu vas mourir si tu quittes à côté de lui. Je te sors de son emprise, de son joug. Je prononce ta délivrance au nom de Jésus. Il y a l'huile mille faveurs là. Prenez cette huile. Oignez-vous avec. Maman, ta page là, les clients vont venir. Ça va ramollir, ça va adoucir ton visage. On va trouver comment... Mais tu es belle, hein? Oignez aussi votre corps avec ça la nuit avant de dormir. Tu fais ton lavage au sel, tu te oignes avec l'huile mille faveurs. Tu dis, Seigneur, s'il y a n'importe quoi dans mon corps qui me bloque, que ça sorte cette nuit. Vous allez voir les choses. Je vous bénis. Je vous fortifie. Je déclare que la lumière du Seigneur brille sur votre vie. Je vous sépare, je déclare que vous divorcez de toute attache d'âme malsaine avec les gens qui vous manipulaient émotionnellement. Toute personne qui vous extorquait de l'argent. Toute personne qui avait gâté votre jugement spirituel. Qui influençait ce que... Chaque jour, tu touches ton salaire. Tu n'es pas toi qui dirige ton argent. Je te libère de cette manipulation. Recevez le discernement pour savoir où payer votre dîme. Apprenez à payer votre dîme. Toutes les dîmes que vous avez payées cette semaine, je les bénis au nom de Jésus. Même les dîmes que vous allez payer dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, je les bénis au nom de Jésus. Je m'accorde avec vos prières. J'ouvre sur vous les écluses des cieux. Que tout blocage que vous aviez, tout joug, toute forteresse dans laquelle on vous avait enfermé, que tous les mois tu vas donner l'argent à telle personne, je vous sors de ces forteresses. Ce où écrit, tu demandes le prix de l'huile, pardon. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous achetez, pardon. Tu as compris, non? Parce qu'il vous connaît. Quand on demande l'argent, le prix, on a dit, tu n'as pas l'argent. Il faut laisser, tu pars, fais-toi avec ton huile que tu as à la maison. Je vous sors des forteresses dans lesquelles vous avez maintenu prisonniers, prisonnières. Je vous sors des endroits où vous avez déposé, on vous a laissé là-bas, que vous n'avez pas avancé. Je vous délivre de toute lourdeur, de toute glaire qu'on a mis dans votre corps. Ceux qui ont le thé de désenvoûtement, là, buvez ça. Tellement de témoignages des glaires qui sont sortis dans le corps des gens. Depuis qu'on a commencé à jeûner, c'est là, les gens boivent ça. Les glaires, les délivrances. Je déclare la lucidité spirituelle sur toi. Que tu saches où mettre tes émotions. Je déclare que tu ne vas plus manger parce que tu es stressé. Je déclare que tu vas plus te mettre à appeler tes ex parce que tu es stressé. Toute prison dans laquelle le Seigneur t'avait libéré depuis, je déclare que tu ne retournes pas dans cette prison au nom de Jésus. Tout
deal que quand tu as, quand tu as escroqué une fois, tu as dit que c'est bon, je ne travaille plus avec lui. Et là, tu sens la pression, tu vas encore l'appeler. Je déclare que tu n'appelles pas la personne, tu vas trouver ta solution ailleurs. Au nom de Jésus. Je vous fortifie. Je déclare que vous n'allez pas faner. Je renouvelle votre esprit. Je renouvelle votre argent, votre richesse. Pendant cette nuit qu'il vous parle encore, qu'on dépose des couronnes d'or sur votre tête cette nuit, qu'on vous dépose, on vous fait asseoir sur vos chaises, sur vos trônes, toutes chaises qu'on t'avait volées, que tu es censé être le successeur, on a pris dans le physique. Je déclare que cette nuit, on te redonne ça dans le rêve au nom de Jésus. Tout vêtement spirituel en or, en diamant, qu'on devait te donner depuis qu'il avait été volé, je déclare que cette nuit, il te redonne au nom de Jésus. S'il y a des dons que tu dois faire quelque part, qui te montrent et tu ne peux pas faire, que ces dons soient désintéressés. Je te bénis. Je t'ouvre les portes. Je te prospère. Je souhaite que ton âme prospère aussi. Que tout ce que tu fais marche. Toute personne qui était à côté de toi, qui faisait semblant alors que la personne te manipulait. Toute personne qui a deux visages. La personne te voit, il fait comme si elle est gentille et humble. Dès que tu pars, mais je la maîtrise. Je suis sa personne. Elle ne peut rien faire sans moi. J'expose cette personne au nom de Jésus. Toute arrogance cachée qui est à côté de toi. Toute personne qui t'a attaché, que tous les mois tu vas lui donner l'argent. Et que tu ne vois pas la bénédiction de ça. Tout joug. Toute personne qui te manipule pour que tu ne sortes pas. Je déclare que tu es libéré de cette prison aujourd'hui. Au nom de Jésus. Voilà. Déclare que tu vas atteindre ton plein potentiel. Tu vas atteindre le summum de ta destinée. Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas accompli ce pourquoi tu es né. Prenez l'eau. Lisez le psaume 35 sur l'eau. Versez une partie dans la maison. Au centre de chaque pièce. Tout ce qu'on a enterré de négatif dans ma maison, je déteste ça cette nuit au nom de Jésus. Tu parles comme ça. Avec le psaume 35 et le psaume 91. Tu verses l'eau là au centre de chaque pièce de ta maison. Tout mauvais esprit qui est dans cette maison, je te commande de sortir, comme je verse cette eau maintenant là. Je te chasse de cette maison. Vous allez dormir, vous allez voir les choses. Séance de lavage va se passer le 1er février. Passez une bonne nuit. Dormez bien. Rappelez-vous de tous vos rêves. Voilà.